samedi 30 avril à Saint-Étienne de Tinée. Pour l'instant, la place du village est calme, mais ça ne va pas durer. Faisons un petit retour en arrière avec les conscrits du village qui préparent le mois de mai. Une dizaine de jours plus tôt, au pied de la Pinatelle. Bon alors, les conscrits, je vois qu'on vous fait des misères. Ouais, pour le coup. On s'en fait. On y participe à ces misères. C'est vous qui l'avez pas, non? Non. Non, même pas, vous faites pas, vous êtes pas mazo, quoi. C'est Guillaume Sautier. On donnera pas de nom. Guillaume Sautier, tu m'auras plus qu'on balance. Ah bah vous pouvez, hein. Ça passe à la télé, là. Bon, donc voilà, vous avez plus qu'à décaper, c'est ça? Ça, ouais. Ouais. Plus. Alors, combien il y a de conscrits cette année? On est 17 au total. Ah, quand même, ouais. Grosse natalité cette année-là. Il y a dû avoir un hiver rude. Ça a fait quoi? Il faisait froid. Hein. Voilà, lui il est toujours là. En fait, c'est lui qui a amené le mât, c'est ça? Non, même pas. Même pas, en plus. Cette année, j'ai déclaré forfait. Bon, alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, les conscrits? L'occasion de vous retrouver entre jeunes du village? Toute l'année. Ouais, parce que sinon vous êtes où? Vous êtes en bas, vous faites des études, vous faites quoi? Chômage, on a mis ça. Merci François. Non, je rigole. Vous êtes locasse, hein? Alors la présidente. Elle est là. Ah non, ce n'est pas moi. J'allais demander qui est le trésorier, donc c'est elle. J'ai remarqué que c'est toujours une fille la trésorière. Faut bien mener. Voilà, faut tenir les cordons de la bourse. D'accord. Bon, ça inquiète personne de monter au mât, décrocher les cordes, tout va bien? Il est petit cette année. Vous avez pris un petit mât exprès? Petit, petit. 26 mètres quand même. Oui, il n'est pas petit. Bon. Bon, tout va bien, vous avez le moral? Toujours. Ouais. Ok, rendez-vous le 30 avril alors? C'est ça, 20h30. Vous attendez nombreux. Ok. Parce qu'on a fait les affiches, mais il n'y a rien marqué dessus. Non, mais ils le savent, hein. Ah oui. Je pense. On espère, alors. C'est quand même une belle tradition qui perdure dans ce village, c'est bien. Ok, allez, à bientôt. Enfin, au 30 avril. Après ce petit retour en arrière, revenons au soir du 30 avril. L'arbre de mai est prêt. Il va pouvoir être hissé et érigé sur la place du village. C'est tout des conscrits là? Oui, oui. Ouais, mais il en manque un. Mais il en manque pas beaucoup de là. On vous a pas fait trop de misère? Si beaucoup, oui. Mais il est parti, on va dire. Pas trop de chance. Ils vous l'ont peint, c'est ça? Peint, tagué, déplacé. Ils l'ont amené où? Au stade, sur la route de la Bonnette aussi. Vous voulez que je vous fasse une petite dédicace? Venez. Colle-le sur la caméra. Et non, après je vais t'embêter quand même. Des chariots ont été sortis exprès. Ils ne sont là que pour le jour du mai. L'arbre de mai à Saint-Étienne de Tinée est une tradition qui perdure. Elle existe depuis l'époque du service militaire. Les jeunes gens plantaient cet arbre sur la place du village pour que leurs belles pensent à eux pendant qu'ils étaient au service militaire. Le service militaire n'existe plus, mais la tradition est toujours là. Et les filles se sont même jointes aux garçons pour la perpétuer. Bien sûr, l'arbre de mai, c'est l'affaire des conscrits, mais tout le village donne un coup de main. 21h, il est temps de descendre l'arbre sur la place du village. On pousse là. Tout petit, ça bouge comme une fraise, son aile ma fille. Thank you.
c'est au fer. Ah, il me fait peur. Et là, on lance les jambes, mon capo. Six mètres de long, quand on prend un virage, on fait attention. Le conscrit qui annonce l'arrivée de l'arbre avec des fumigènes. Quelques petites difficultés pour manœuvrer à l'entrée de la place. Dégage un logement prévu spécialement pour l'arbre de mai au beau milieu de la place. Il y a pas mal là. C'est bien, mais si j'avais fait le trou en bas comme ça. Pendant ce temps-là, des conscrits montent sur le balcon de la mairie où ils mettent une banderole et d'où ils vont jeter des cordes pour hisser le mât. Madame le maire, Colette Fabron, qui est là. On commence les préparatifs pour ériger le mât sur la place. Du balcon, on jette des cordes. On prépare aussi de grandes croix en bois qui permettront d'étayer le mât dans la montagne. Thank you.
est prêt, on va pouvoir commencer. Avec ceux qui tirent en haut, ceux qui poussent en bas, on arrive petit à petit à mettre une première croix en bois. On y ferme juste les pattes. Moi je passe bien à la télé moi. D'accord. Pas photogénique. Madame le maire est la première adjointe très attentive. Ça a bien progressé, on a mis un deuxième croisillon. On touche au but, dans quelques instants, le mât sera droit. Maintenant qu'il est droit, il faut le caler. On va y mettre des coins en bois. Pour fêter ça, les conscrites distribuent du vin chaud. Pas fini, maintenant les conscrits vont devoir monter au mât, défaire les cordes, et les cordes qui ont été tirées pendant une heure. Comme vous pouvez le constater, c'est pas évident de monter. Au début, ceux qui sont en bas ne l'aident pas trop, et après, bien sûr, ils vont tirer sur la coupe.
épreuve à Rivero déferle. Les conscrits vont monter sans exception. Conscrits donc vont s'enchaîner jusqu'à minuit à peu près.
le lendemain, quelques-uns devaient avoir quelques courbatures, à mon avis. Bon, c'était comment? Difficile? Ouais, la dépression. Là, en haut, c'est... Oui. Cette conscrit, ça a duré jusqu'à minuit. Presque minuit, on arrive enfin au dernier. Le dernier ne va pas descendre jusqu'en bas, on va lui donner le panneau des conscrits 2017. Organisé en plus, puisqu'il a la visseuse, j'ai vu des années où, avec un marteau, il mettait une bonne demi-heure à mettre le panneau. On va terminer avec une petite photo des conscrits de l'année 2016, promotion 2017 donc.